Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. À part une grosse insomnie depuis un bon moment, tout va très bien. Donc, je vais vous donner mes nouvelles aussi. J'ai passé mon scanner, le nodule n'a pas évolué, tant mieux pour moi. Ouf, hein. Donc voilà, sinon oui, tout va bien. Mélissa réemménage à la fin du enfin la semaine prochaine, donc dans la région, comme ça je pourrais profiter un peu plus de Rose et Matisse. Donc je suis super contente. Et ensuite, voilà, tout va bien. Bon, comme Maryse dirait, vous me manquez aussi énormément, mais voilà, à cause de mon insomnie, je suis trop trop fatiguée, je ne fais plus grand-chose, on va dire. Donc, quand ça ira mieux, on verra. Donc, voilà, j'espère que vous aussi, ça va très bien. Et je vous souhaite de bonnes vacances, vu qu'il y en a pas mal qui vont partir en vacances. Profitez. La chaleur, pas trop, parce que là, ces jours, on souffre de la chaleur, c'est pou, pou, pou. Et faites attention avec les orages et tout ça, parce qu'ils sont quand même assez violents, je dirais. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo. J'en profite pour vous donner mes nouvelles. Vous voyez, je vais bien. À part ma fatigue, ça va très bien. J'ai reçu un colis de Maryse. Doudoune Salmon, Maryse, je te remercie du fond du cœur. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, on l'ouvrait ensemble, mais malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé correctement. Du coup, ce que je vais faire, je vais baisser ma caméra, comme ça vous verrez bien à chaque fois la présentation, parce que je trouve ça dommage. Ça me faisait le plaisir d'ouvrir avec vous, mais du coup, là, elle est déjà ouverte. Donc voilà, donc je vous baisse la caméra, comme ça je suis sûre de ne pas louper ma vidéo. Donc Maryse, je te remercie beaucoup, vraiment ça me fait super plaisir que tu penses à moi. Donc voilà, elle m'a envoyé un petit colis, elle m'a envoyé un mail et j'étais surprise et vraiment ça m'a vraiment fait super super plaisir que tu penses à moi. Ça, ouais, ça m'a surprise aussi parce que je me suis dit oui, j'ai plus de nouvelles de personne. À part Martine Emen et Sylviane qui m'avaient envoyé une carte il y a bien un mois de ça. Sinon, j'ai plus de nouvelles de personne. Donc voilà, je pensais être mise un peu de côté. Je te remercie du fond du cœur, Maryse. Alors en fait, voilà, c'était présenté dans la pochette, là c'est très joli. Donc j'ai pas tout remis dedans, mais c'était la présentation, très belle présentation. Donc elle m'a fait une carte pour mon anniversaire. Donc là elle a mis un fond avec embossé à froid avec des petits drapeaux. C'est super joli à l'envers, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Ça fait des guirlandes et avec des fleurs. Et ça, je pense que c'est des pensées. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup de ton envoi. Tout, voilà, me fait plaisir. Et oui, tu vois, on ressent bien un peu les mêmes choses par rapport voilà, à tout ça. Donc, je te remercie énormément, Maryse. Ensuite, elle m'a fait une super lodie d'enveloppe. Alors, je ne sais pas si j'ai tout rangé correctement. Je crois que j'en ai oublié en chemin, là. Dommage. Je vais essayer d'y remettre là. Donc, je vais déjà. Voilà, la lodie d'enveloppe. Ça, j'adore. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ouais, c'est vraiment le format que j'adore. Ça, les lodis d'enveloppe depuis le début du scrap, j'adore les faire. Elle m'a mis un petit carnet, bloc-notes. Donc, je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est toujours utile.
Et du coup, voilà. Et ouais, ça, moi, les carnets, j'aime beaucoup. Je suis un peu. Là, avec la fatigue, j'oublie pas mal de choses. Alors, du coup, ben, je note tout, tout, tout. Donc, elle m'a fait une carte. Hein, c'est une tisse hein, sur la Suisse. Et j'adore. C'est super joli. Donc, elle. Là, il y a du chocolat, une montre, le drapeau suisse. Là, un petit point pour montrer où il y a la Suisse. Enfin, bref, un petit personnage. Vraiment, c'est super joli. Donc, je te remercie énormément. Ça me fait super plaisir. Je vois que tu as pris du temps pour moi, que tu as créé. Alors, je sais plus comment tu avais rangé, Maryse, mais bon, je suis désolée. Du coup, c'est tout défait. Elle m'a fait, c'est trop beau, une ATG comme ça, avec un gnome. Et donc, c'est Happy Birthday, le thème. Et donc, c'est une sur une. Et la couleur, c'est rose. Et vraiment, c'est super joli. Moi, les gnomes, j'adore en plus. C'est vrai, il est trop, trop rigolo. Donc, voilà, je te remercie énormément. Elle m'a fait des ATC aussi avec les gnomes. Alors, je vais les sortir de la pochette, comme ça vous les verrez mieux. Vous voyez, après, je range tout, je vais tout. C'est trop joli en couleur pastel, comme ça, j'adore. Donc, elle a mis des petits nœuds papillons, un fond en cœur. Et donc, là, c'est un gnome avec un cœur. Là, je crois qu'il a un œuf. C'est ça. Et là, c'est un petit lapin. C'est trop, trop joli. C'est super joli. Vraiment, ça me fait super plaisir, Marise. Merci beaucoup. Elle m'a fait une série de timbres. Vraiment, je te remercie parce que tu as pris du temps pour moi. Et en fait, le titre, c'est Dites-le avec les fleurs. Alors, je ne sais pas si, ouais, si vous allez peut-être, comme ça, je ne les ressors pas toutes. C'est super joli en pastel comme ça, j'adore. Je te remercie beaucoup, Maryse. Ensuite, c'est rigolo, elle m'a fait des boucles d'oreilles comme ça. Donc voilà, ça devait être la semaine du sida qui t'y a fait penser, je sais pas. En tout cas, c'est super joli. Je te remercie beaucoup. Elle m'a fait des. Ça y est, j'ai oublié le nom. Ah non, hein. Des capsules, voilà. Qui sont toutes plus belles les unes après les autres. Donc, il y a des fleurs, voilà, des papillons, il y a un peu de tout. Je ne vais pas les sortir parce que vraiment, là, après, comme ça, j'en perds pas. Et quand je veux m'en servir, j'en prends une par une et vraiment elles sont super super jolies. Merci beaucoup Maryse. Ensuite, ah, elle m'a fait un marque-page, c'est trop beau, tout en broderie. Alors moi la broderie avant j'en faisais énormément, j'adorais ça. Donc voilà, c'est beaucoup de patience. Mais le résultat est tellement beau. Donc, c'est un marque-page. Il est très, très beau. Et oui, je lis toujours. Moi, j'aime beaucoup. La lecture, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé lire. Et c'est vrai que ben, là, en plus, quand il fait pas trop chaud, je me mets dehors sur mon balcon. Là, j'ai un grand balcon à l'ombre. Et vraiment. C'est le moment détente. Ensuite, elle m'a fait un porte-clés. C'est trop joli. Hop. Donc, je pense que c'est un panda. Donc, voilà. Tout en diamond painting, là, la patience, quoi. Moi, c'est trop petit pour faire ça. C'est vraiment trop, trop petit. Mais je trouve que le résultat est super. C'est vraiment très joli.
En tout cas, merci beaucoup. Ensuite, elle m'a fait des tampons avec de la cire. C'est pareil. Alors ça, elle les a colorés à l'intérieur et tout. Je trouve c'est super chouette. Là, il y a un petit lapin. Là, c'est le thème de Paris. Là, c'est une enveloppe. Là aussi. Là, c'est la tour Eiffel. Là, c'est des petites fleurs, du feuillage. Enfin, bref. C'est super, super joli. Maryse, je te remercie vraiment du fond du cœur. Et ensuite, elle m'a mis des petites images. Alors, ouais. Hop. Des petites images d'anges. Là, c'est un petit ange avec des cerises. C'est trop joli. Là, c'est deux petits anges. Ensuite, il y en a un. Il me semble, voilà. Un autre comme ça. Un autre comme ça. Ensuite comme ça. Moi j'adore. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que j'adore. Je m'en lasserai jamais de ces anges. C'est trop trop beau. Donc voilà. Et ça le dit que je trouve super super joli. C'est pareil. Il a fait un encadrement là avec les pailles et tout. Vraiment, c'est Maryse, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment chouette. Ça, j'adore. Ça me touche parce que tu as pris du temps et tu as pensé à moi. Et vraiment, ça me touche vraiment. Ça me va droit au cœur, Maryse. Je te remercie énormément. Vraiment, merci beaucoup de ton envoi. Voilà, même qu'une petite carte, ça m'aurait fait. Ça me fait autant plaisir, quoi, voilà, de savoir que à quelque part il y a encore quelqu'un qui pense à vous. Vraiment, c'est touchant, c'est, ouais, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Je vous souhaite de belles vacances, surtout prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt, j'espère. Voilà, je vous redonnerai de mes nouvelles, il n'y a pas de souci. Pour le moment, tout va bien, à part mon insomnie, mais bon, j'ai rendez-vous la semaine prochaine au médecin, donc ça va bien finir par être réglé. Et voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et merci beaucoup, Maryse. Merci.